Sur le département, plus de 400 éleveurs seraient impactés par la perte d'ICHN, une indemnité compensatoire pour l'handicap naturel. Et sur le département, ça entraînerait une perte globale de plus de 2 millions d'euros. Donc l'élevage qui est déjà en crise depuis bien des années aggraverait sa situation. Et cette mesure précipiterait sa perte dans le département.